A vraiment été confié aux Eudistes dès sa fondation en 1934. Voilà, je suis le 8e curé de la paroisse du Saint-Esprit et un jour je vais rendre les clés. Voilà. De savoir que comment les Eudistes allaient partir, c'était un gros choc. Et après, je me suis dit, il faut aussi se rappeler du Notre Père, que ta volonté soit faite. L'image la plus belle peut-être que l'on peut donner de la congrégation eudiste, que leur présence dans cette église qu'ils ont fondée, qu'ils ont animée depuis 80 ans. À la fin des années 20, l'archevêque de Paris de l'époque, Mgr Verdier, avait eu l'intention justement de restaurer un certain nombre d'églises et donc créer d'autres. Il a demandé aux eudistes de prendre le Saint-Esprit dans son rapport, dans ses liens, à cause de ses liens avec lui-même, les eudistes. À ce moment-là, il y a eu une chance énorme, c'est qu'un jeune homme qui avait fait un gros héritage et qui avait eu l'occasion de voir, je pense, dans le sud-ouest de la France, une petite chapelle dédiée au Saint-Esprit, il avait été, mais alors vraiment, tout presque horrifié de penser que la troisième personne de la Sainte Trinité pouvait avoir simplement comme lieu de culte une minuscule petite chapelle. Il avait à ce moment-là des projets de mariage et il a fait le vœu que si ces projets se réalisaient, cet très gros héritage qu'il avait fait serait consacré à l'édification dans Paris d'une église à condition qu'elle soit dédiée au Saint-Esprit. Donc c'est là le point de départ du nom de l'église du Saint-Esprit. Ça faisait partie d'un lieu où il fallait mettre une paroisse, une nouvelle paroisse, dans ce sens que Notre-Dame de Bercy, qui était la paroisse normale, était insuffisante à ce moment-là, étant donné l'agrandissement du quartier. Et le quartier s'agrandit dans le contexte aussi de l'exposition coloniale qui va changer un peu le statut d'un peu de ce quartier. Le premier curé, le père Olivier Lefer de la Motte, qui est arrivé en 1934, je pense. Le père Olivier Lefer de la Motte est resté très très longtemps curé. Et on a eu la joie de voir le baptême des cloches en 1963. Elles étaient là alignées et c'est Monseigneur Courbe qui est venu les baptiser, les bénir, enfin la bénédiction des cloches. Et nous étions juste à côté. Mais ma plus jeune fille était à côté de la plus petite cloche. Elle était de la même hauteur. Je suis entré dans cette paroisse comme vicaire. Petit détail, un de mes confrères, mes aînés, m'a fait visiter l'église. Et du haut du dôme, il me dit, tu vois la paroisse, et c'est bien, etc. Il me dit, ces maisons briques et pierres, là, tu vois ce que je veux dire, hein. On l'appelle dans le quartier les casernes. Hein. Aussitôt, enfin, dans les premiers mois, quand il m'a eu dit ça, et que j'ai vu ces maisons-là depuis le dôme, hein, ma mission, je me la suis donnée, d'accord, avec mon curé, etc., faire des visites, tout le monde, de famille, surtout des cadres, c'est un milieu très ouvrier et tout ça, c'est à côté de l'église pourtant, mais sur 120 familles, hein, je crois qu'il n'y avait pas 10 qui allaient à la messe le dimanche, si vous voulez. Je voulais avoir des raisons d'entrer, ce qui était normal à l'époque, si vous voulez, pour savoir si je pouvais rendre service, il y a des enfants, comme ils arrivaient nouveaux, ils ne connaissaient rien, leur dire, il y a des cathés, si vous voulez, à votre disposition, quoi, pour vos enfants. Le suivi que l'on a eu, qu'on a eu la chance d'avoir pendant ces 80 ans avec les prêtres eudistes, c'est évidemment quelque chose d'assez extraordinaire. Entre autres, quand j'ai eu mon fils qui a été très très malade,
On s'attendait pratiquement à une catastrophe. Les prêtres m'ont énormément soutenu par leurs prières, leurs messages d'amitié. Voilà, c'était un moment très très fort, ça. Et en tous les cas, quand on nous annonçait un changement de curé ou même de l'équipe pastorale, nous savions que ben, nous aurions toujours à peu près la même optique et puis la grande ouverture et l'amitié qui se nouait entre nos prêtres et les laïcs. Est un homme du XVIIe siècle. Il est né en 1601 et décédé en 1680. Après avoir fait des études chez les jésuites à Caen, il a connu le cardinal Pierre de Bérulle qui venait de fonder en France l'oratoire. Il a été séduit par la personnalité du cardinal de Bérulle. Il est rentré à l'oratoire, congrégation fondée par Bérulle, où il est resté 20 ans. Les curés des paroisses où il était envoyé n'avaient aucune formation. J'en ai tombé sur certains prêtres, pas tous, hein, ça n'avait même pas la formule d'absolution. Il a compris l'importance de la formation du clergé, et comme ses supérieurs traînaient à mettre en œuvre ses fondations, eh bien, il a quitté l'oratoire pour fonder le 25 mars 1643 à Douvres la Délivrande, la congrégation de Jésus et Marie, dite des Eudistes. On dit que Saint Jean-Eudes avait un organe qui lui permettait de prêcher sans micro devant 3000 personnes. C'est Jean-Eudes qui a créé les offices liturgiques du cœur de Jésus de Marie avant les révélations de Marguerite Marie à la Coque. Et que, pas sous le même angle, puisque pour Marguerite, il s'agissait de réparer ce cœur qui avait été blessé, alors que pour Jean-Eudes, c'est ce cœur, il est une fournaise brûlante d'amour. Il est rempli d'amour, il ne cherche qu'à aimer ce cœur-là. L'Église voit en Jean-Eudes un grand théologien du cœur de Jésus. Mais aussi, c'est celui qui, au XVIIe siècle, a été un acteur important de la nouvelle évangélisation, dont on parle beaucoup aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais la nouvelle évangélisation, lui, il l'a réalisée par les missions qu'il faisait auprès du peuple chrétien, baptisé, mais vraiment peu instruit. Les gens n'avaient pas fait de vraies rencontres avec Jésus. Et il a passé son temps à travailler pour que Jésus vive et règne dans les cœurs. Quand on sait qu'à cette époque-là, vivre avec des pestiférés, c'était hyper contagieux et qu'on était sûr qu'on allait mourir derrière. Et l'originalité de Saint-Jean-Eudes, c'est de se dire, mais ce n'est pas d'abord ça qui inquiète, c'est que ces pestiférés sont délaissés justement du fait de leur situation et que moi, si je porte la miséricorde de Dieu en mon cœur, je dois aussi aller vers eux. Eh bien, Saint Jean-Eudes a été interpellé par une dame qui s'appelait Madeleine Lamy. Mais est-ce que vous pensez à toutes ces femmes blessées par la vie, qui sont emprisonnées? Qu'est-ce qu'on fait pour cela? Il a été interpellé dans la ville de Caen pour fonder une maison destiné à accueillir des femmes prostituées en particulier. Ces religieuses ont été à l'origine de l'ordre Notre-Dame de Charité du Refuge, fondé en 1641 donc, et qui continue toujours à être bien vivante. Sans doute que l'Église voulait nous dire, à travers cette canonisation de Jean-Eudes en 1925, mais prenez conscience de ce trésor qu'est le cœur, brûlant d'amour, ce cœur qui ne cherche qu'à aimer, qu'à rejoindre tous les hommes en les aimant. L'époque dans laquelle il vivait était marquée par le jansénisme, une religion très austère et qui ne manifestait pas assez l'amour de Dieu. Et alors pour cela, eh bien, il a même inventé, j'allais dire, le culte liturgique du cœur de Jésus pour montrer que Dieu n'était qu'amour.
n'oublions pas les pauvres. Et Jean-Eudes, c'est ce qu'il nous a dit à travers ce travail d'épistipéré, à travers cet accueil des femmes repenties. Nous, sur la paroisse, on a fait deux, on appelle ça les conférences, une conférence plutôt pour les aînés et puis une conférence de jeunes. Le but, c'est, nous, sur la paroisse, c'était d'aller visiter des personnes âgées, d'aller faire des courses. C'est vraiment de créer un lien avec des personnes qui vivent à côté de chez nous et qui, bien dans cette grande ville, sont complètement isolées. La solitude est une des plus grandes pauvretés, nous a dit Benoît XVI. Regardons toutes les personnes seules qui vivent sans relation, qui sont complètement démunies. Et essayons de travailler pour ces personnes seules. Alors au début, je dis, tu dis, oui, je vais aller faire un peu ma BA, quoi, je vais aller. Et finalement, tu te retrouves à recevoir presque plus que ce que tu donnes, parce que justement, l'échange avec ces gens-là, avec ces personnes-là, qui souvent sont plutôt âgées, c'est une richesse folle, quoi. Ben, je suis venu au Saint-Esprit que j'étais dehors. J'ai été hébergé pendant l'hiver. Moi, je suis toujours le matin, hein, des fois je vais me promener, après je reviens, 5 minutes après je reviens. J'essaie d'oublier un petit peu les problèmes que j'ai eus, tout ça. En lisant Saint-Jean-Eudes, ça m'a donné une ouverture sur la charité, sur comment voir les autres. À travers les différents prêtres, on a vu une diversité de personnalités, souvent marquantes, souvent ayant un vrai charisme, souvent de vrais prédicateurs, un vrai don des pédagogues, des formateurs. Alors tout ça aussi, c'est propre aux richesses eudistes que de justement développer ces dons-là. Si vous interrogez tous les amis associés eudistes de par le monde, ils vous disent « on se sent bien avec les eudistes, on est bien avec eux ». Donc ça veut dire qu'ils font passer quelque chose dans leur charisme. Elle a rejailli, je l'avoue, avec le père de l'ouvrier, qui vraiment nous a marqués par la spiritualité eudiste, si bien que ça a rejailli même dans ma façon d'enseigner, par son attention aux enfants qui avaient des difficultés. Autrement dit, c'était l'esprit eudiste, on a une grande attention pour ceux qui, justement, ont besoin d'être un peu plus aidés, aimés peut-être que les autres. J'ai été longtemps enseignant et j'ai repris à vrai les enseignements quoi, après, au moment de ma retraite. Je partage mon temps entre le service de cette paroisse du Saint-Esprit et le service d'un foyer d'accueil que les pères eudistes ont dans le 14e arrondissement. C'est notre service, là, c'est surtout eh bien, non, ben, d'aider des jeunes hommes à s'épanouir en tant qu'étudiants pour être ensuite au service de la cité, de leurs compatriotes, de la meilleure manière qui soit. La formation me paraît être dans vos cordes et un truc essentiel pour une dimension essentielle de votre ministère. Le deuxième point, c'est tout ce que vous faites ici au niveau des jeunes, et en particulier avec la Durance et avec la Camélienne. C'est aujourd'hui qu'on peut découvrir vraiment tout ce que Saint-Jean-Eudes a mis en place dans l'élan de la construction de l'Église en mission. Et notamment une construction de l'Église en mission qui s'appuie sur tous les chrétiens et qui s'appuie sur des chrétiens qui travaillent ensemble, quelle que soit leur vocation, des prêtres et des laïcs ensemble. Voilà pourquoi je me sens beaucoup plus eudiste aussi à Cône, parce que je crois que Saint-Jean-Eudes, c'est ce qu'il a voulu, justement c'est la promotion des laïcs, pour que les laïcs soient vraiment au service de l'Église. Et dans 8 paroisses, nous avons vraiment la collaboration des laïcs, les équipes animatrices. On a besoin maintenant de sortir d'une vie
pastorale ordinaire à une vie pastorale missionnaire. À beaucoup plus il y avait gens. Car, frères et sœurs, l'Esprit habite en chacun d'eux. C'est une expérience vitale. Nous sommes le temple de l'Esprit, chacun de nous, libre, des fils, non pas des assistés. Il nous libère de toutes les formes d'esclavage. Cet Esprit, il nous donne d'aller de l'avant. Il est jaillissement continuel de vie. Il nous engendre sans cesse. Le fait que vous soyez dans une congrégation, que ça soit inscrit dans votre congrégation d'une vie fraternelle, d'une vie de prière, je trouve que c'est fort et que ça vous marque et que ça marque la paroisse. Parce que c'est quand même plus facile d'avoir une vie spirituelle vécue en communauté que tout seul dans son coin, abandonné, enfin dans la solitude, quoi. Il y a une quinzaine d'années, un groupe d'associés autistes a été fondé sur cette paroisse. Et tout naturellement, je me suis engagé dans cette association. Ayant mieux connu la vie de Saint-Jean-Eudes, ça m'a plus appris l'ouverture aux autres. C'est le centre même de la révélation. La découverte du cœur du Christ, c'est la découverte du vrai Dieu pour Saint-Jean-Eudes. Quelqu'un, que nous appelons Jésus-Christ, par l'incarnation, vient nous révéler un cœur tellement plus grand que le nôtre. Dieu a pris un cœur d'homme. Il a voulu nous parler au cœur. Il a montré aux hommes, au cœur fermé, jusqu'où il les aimait. Pour moi, Saint-Jean-Eudes, c'est d'abord celui qui met toute personne en relation avec le Christ. Et j'aime beaucoup la manière très intime dont saint Jean-Eudes parle du Christ comme de Jésus. Voilà, Jésus, Dieu fait homme, effectivement, donc il ne réduit pas du tout la théologie de l'incarnation, de la rédemption et de la divinité du Christ. Mais cet homme avec nous qui nous entraîne pour être plus grand dans notre humanité. Et cette manière d'être plus grand dans notre humanité, eh bien, c'est vivre une relation intime, personnelle, avec le Christ qui nous conduit à son Père. Et à partir de là, découvrir la filiation. Voilà, c'est, en résumé, c'est toute la théologie baptismale, le fait que par le baptême, chacun se reconnaît fille et fils de Dieu et appelé à développer une démarche et une relation personnelle avec le Seigneur. Les eudistes, de par leur fondateur, étaient très attentifs à ce que ce baptême soit à toute la richesse qu'il est. Et quand vous écoutez le Père Dacot, vous découvrez que vraiment c'est sans doute un des plus riches sacrements offerts par l'Église et qu'on peut en vivre toute sa vie. Donc il s'agit vraiment d'en prendre toute la mesure. Je me suis rendu compte que les rites du baptême sont très beaux, mais pas assez visibles. Alors aussi, en relisant le rite du baptême, il est dit quand même dans le rituel qu'on favorisera, chaque fois que c'est possible, le baptême par immersion. Je pense que c'est très marquant, c'est très beau. Et ça, c'est une chance qu'on nous l'ait proposé pour notre baptême. Voilà, on est plongé dans la mort, donc je l'ai englouti, on peut dire, dans la mort de Jésus, et relevé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et elle était mouillée comme un bébé qui sort du ventre de sa maman, et elle était rayonnante. Après, évidemment, alors là, du coup, le rite du vêtement blanc, parce qu'elle est habillée en sombre quand elle est plongée, elle ressort, elle va s'habiller en blanc, elle est oint de l'onction de l'Esprit Saint, et puis enfin, tous les signes deviennent perceptibles, sensibles, et contribuent de manière très profonde à percevoir le sens du baptême. Le baptême, effectivement, encore une fois, là aussi, c'est un sacrement fondamental qui nous aide à être des témoins de l'Évangile, par conséquent de ceux qui luttent contre le mal, bien sûr. Mais c'est être des témoins de l'Évangile, surtout. Des annonciateurs de l'Évangile, comme l'a été d'ailleurs saint Jean-Eudes, qui a insisté et qui a prêché des missions pour être justement de cette manière-là un bon témoin de Jésus. Saint Jean-Eudes, de par toute sa vie, a voulu être missionnaire et s'est intéressé aux pauvres et aux sans-voix. C'est quelque chose qui me parle. À chaque fois que je sors, je croise quelqu'un
Et donc c'est un sourire, c'est 3 minutes de discussion, ça commence là, je crois, la spiritualité et montrer la foi, et puis en étant engagé dans un certain nombre d'actions et de missions. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Donc comment on devient des témoins et des manifestants de cet amour de Dieu? Voilà, et c'est ce que Saint Jean-Eudes a exprimé avec la dévotion du cœur, qui est aussi très actuelle. Le cœur de votre cœur, l'âme de notre âme, et pour être toujours avec nous et en nous, non seulement comme dans son temps, mais comme dans une partie de son corps. Le Christ nous déplace et nous déplace tous les jours. Les bouddhistes ont énormément fait ce que Saint-Esprit est devenu. L'un d'eux qui me l'avait appris, on n'est jamais propriétaire de quelque chose. Je pense qu'ils ne sont jamais été venus ici en s'estimant les propriétaires des lieux, mais vraiment comme les serviteurs du lieu. Je crois que c'est vraiment important de voir que d'abord, aujourd'hui, à l'effectif des eudistes en France, il reste 61 confrères, on a besoin de rassembler un nombre de communautés. On peut très bien avoir moins, disons peut-être même de 2 ou 3 vicaires moins au Saint-Esprit pour les envoyer là-bas, et non pas supprimer une paroisse qui est un lieu, très souvent d'ailleurs aussi, qui est un lieu de vocation, et de vocation pour les eudistes. Et le fait est que au Saint-Esprit, revu avec l'archevêque de Paris, on n'a pas d'engagement dans la formation initiale des prêtres, et on n'a pas de responsabilité directe dans l'enseignement catholique. Et à partir de là, on a préféré se concentrer sur d'autres lieux. Mais de toute façon, on n'est pas fait pour prendre racine. Ça appartient aussi à notre dynamique missionnaire de dynamiser, de confier les responsabilités, de constituer des équipes. Et ces équipes constituées, eh bien, après, il faut qu'elles puissent voler de leurs propres ailes. Et on va pouvoir les servir ailleurs. Mais il faut dire qu'ici, l'avantage, c'est quand on changeait de curé, même si on savait... C'était un curé complètement différent, on retrouvait toujours le même esprit. Et c'est ça, je pense, qui va nous manquer. Il va falloir, mais ça sera à nous de réagir et d'accueillir bien la nouvelle équipe et d'essayer de que ça marche. Une paroisse qui est dédiée au Saint-Esprit, je ne crois pas qu'on puisse penser que par la suite du départ des Pères eudistes, que la paroisse serait en perdition. Nous allons avoir des prêtres du diocèse qui vont venir les remplacer. Évidemment, ça nous fait de la peine, leur départ. Mais nous savons très bien que la paroisse, elle continuera. C'est évident. C'est évident. Ma mission d'associéliste est de me mettre au service, de continuer à me mettre au service des nouveaux prêtres. Un maître mot dans mon expérience de prêtre et de dix, c'est ça. C'est le Seigneur qui choisit, qui envoie, il sait qui il choisit. Quelle que soit la mission qu'il nous confie, il nous donnera les grâces pour la vivre. Et c'est vrai dans tous les domaines. Je suis sûr que le Seigneur va combler la paroisse du Saint-Esprit de joie. Je suis sûr que le Seigneur va aider la congrégation des eudistes à assumer le fait qu'ils aient quitté cette paroisse, parce que ça a été une décision difficile.